pleine saison touristique, l'Indonésie souffre d'une série d'impressionnants séismes. Cette fois, c'est sur l'île de Lombok qu'un séisme de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter a retenti ce dimanche. On déplore à ce jour 91 morts et plusieurs centaines de blessés. Plus d'un millier de touristes sont actuellement rapatriés des îles voisines où ils passaient leurs vacances. Sur le réseau social Twitter, le présentateur de Koh Lanta sur TF1, Denis Brognard, également sur place, a tenu à rassurer ses abonnés. Le séisme de Lombok a été ressenti fortement à Bali, notamment à Ubud où je me trouve. Pas de panique. Tout le monde s'est retrouvé dans la rue. Il précise par la suite à un internaute: c'était impressionnant. Nos enfants ont stressé. Le 30 juillet dernier, un séisme de magnitude 6,2 avait également frappé la région. Il commentait alors: ça fait drôle, ce matin à 7h, notre maison à Bali bouge. Tremblement de terre. Épicentre à 60 km. 6,2 échelle de Richter. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué: nous recommandons aux résidents et aux personnes de passage à Lombok de rassurer leurs proches en France par tous les moyens de communication à leur disposition, y compris les réseaux sociaux. Crédit photo, Jacobi de Norobest Images.